De la musique avec le festival de jazz de Marciac, dont l'une des plus grandes réussites, on l'ignore parfois, est d'avoir en 27 ans insufflé le goût du jazz à toute une génération de jeunes de la région. Ce travail se poursuit avec les masterclass organisées pendant le festival qui permettent aux plus chanceux des rencontres très privilégiées avec des artistes internationaux, comme par exemple Wynton Marsalis, Alexandra Garde, Olivier Tchett. Quelques minutes à peine avant son concert, Wynton Marsalis ouvre sa loge aux jeunes. C'est le miracle de Marciac. Même le plus grand trompettiste du monde prend le temps d'écouter et de conseiller les élèves de la section jazz du collège en toute générosité. Enseigner, c'est bon pour l'âme, parce que les enfants sont exigeants. Et on ne sait jamais vraiment ce qu'ils puisent en vous. Enseigner, ça vous ouvre le cœur. Ça fait quand même bizarre de se retrouver avec lui dans sa loge. C'est toujours impressionnant, hein, parce que c'est quand même Wynton Marsalis. Encore plus impressionnant quand le pianiste de Wynton vient en classe donner sa propre leçon de musique. Vous devez être heureux. Votre musique doit être en phase avec votre façon de bouger. Il y a 10 ans que Marciac utilise le jazz comme un instrument pédagogique et culturel pour enseigner l'essence de la musique. On ne peut rêver un meilleur professeur. Le jazz aide à trouver sa voix et à forger sa personnalité. En se trouvant, on apprend à aller vers les autres et à s'exprimer collectivement. Apprendre à se contrôler et se défouler fait aussi partie de l'apprentissage dispensé par les musiciens américains. Et pour nos collégiens, c'est la maîtrise assurée au moment de jouer. De là à égaler le maître Wynton Marsalis et son quartet, il reste quelques notes à ajuster. Mais les masterclass à Marciac, c'est chaque année.